la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la Compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Crasso, maréchal de la brigade anti-sorcier. Thème: comment être délivré des liens de la sorcellerie? Tu souffres des œuvres de la sorcellerie? Envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière à Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32 76 38 90 47 07 23 28 07 92 99 11. Que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu change notre identité spirituelle. Prions ensemble le Seigneur. Ouvre la bouche. Ouvrez la bouche et parlez. Parlez. Parlez, parlez. Parlez. Nous prions le Seigneur. Et que la main de Dieu se manifeste dans notre vie. Et que la main de Dieu se manifeste. Que la main de Dieu se manifeste dans notre vie. Alléluia. Il faut que ton identité change. Il faut que ton identité change. Il faut que ça change. Il faut que Dieu change. Les données dans notre vie. Il faut que les choses changent dans nos vies. La puissance de Dieu. Et que Dieu nous délivre. Il faut que Dieu nous délivre. Il faut que Dieu nous délivre. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. 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 Il faut que Dieu change votre identité. Il faut que Dieu change votre identité. Il faut que Dieu change votre identité. Il faut que Dieu, la puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Il faut que les chants le chantent. 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 Il faut que les chants. Il faut que les chants chantent. Il faut que les chants chantent. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses. Il faut que les choses. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, 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 la puissance de Jésus-Christ. Recevez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Lève ta main, dis à Dieu, il faut commencer à prier, il faut qu'il change ton identité, il faut qu'il change ta condition de vie, et qu'il t'enlève de cette prison, et qu'il t'enlève de cette prison satanique, cette prison spirituelle, dans les camps de l'ennemi, dans lesquels l'ennemi t'a mis, il faut qu'il t'enlève de cette prison. Prions le Seigneur. Prions, prions. Voilà, voilà, priez. Priez. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Les choses doivent changer. 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 Au nom de Jésus-Christ. La puissance, Mère de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste. 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 Recevez la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Dieu te délivre maintenant.
Dieu te bénit. La puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Vous libérez son mariage au nom de Jésus-Christ. Allez, enlève le masque que tu as mis sur son visage. Lâche sa vie. Libère sa fécondité. Libère sa fécondité. Tu vas la libérer. Libère. C'est un ordre. Tu vas la libérer. Jacob. Ésaü attendait Jacob. À sa grande surprise, il voit Israël. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent dans votre vie. Il faut que la puissance de Dieu vous transforme, vous conforme le corps de l'ennemi. Il faut que la puissance de Dieu vous transforme, libère votre destinée, afin que vos ennemis soient confondus. Amen. Et il faut que méritez vos malheurs. Ésaü avait un faux témoignage de Jacob. Il voyait quelqu'un voleur, trompeur, quelqu'un qui n'allait jamais changer, mais il a rencontré Dieu toute une nuit. Dans ces moments difficiles, il rencontre Dieu et Dieu change son identité. Dieu change son nom. Au lieu de Jacob, son nom est devenu Israël. Il a parlé Jacob et sa grande surprise, il voit Israël. Mes ennemis, toi, être confondu par l'identité. Il faut que les choses changent dans votre vie. De changer. Demande au Seigneur de changer votre identité. Il faut qu'il change. Tu dois avoir du travail. Tes affaires doivent marcher. Tes choses doivent marcher. Tu dois avoir du travail. Tu dois te marier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses doivent changer. La maladie va partir. La maladie a besoin de disparaître. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu fera tomber ce mur. Avec Dieu, le mur de Jéricho s'est branlé. Le mur de Jéricho qui était si épais est tombé. Dieu fait tomber les forteresses. Cette prison dans laquelle tu te trouves, qui t'empêche de te marier, qui t'empêche de rentrer dans la gloire de Dieu. Cette prison, les murs invisibles, cette prison tombe dans le nom de Jésus. Je fais tomber les chaînes de cette prison satanique pendant que tu m'écoutes. La gloire de Dieu te visite là où tu es. Et dès que tu finis d'écouter cette prédication, dès que cette prière finit de te faire sur ta vie, le lendemain, tu verras la gloire de Dieu. Cette semaine, ce week-end, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'on va calmer? Nos finances doivent être libérées, nos affaires doivent être libérées, nos foyers doivent être libérés, nos enfants doivent être libérés, nos finances doivent être libérées. Je viens d'introduire le programme. Alléluia. Nous allons poursuivre demain. Demain matin, je ne serai pas avec vous, je serai à Zaroko. Nous allons prier pour l'ouverture du dispensaire de Zaroko. Je suis invité par ma délégation le faire. Et nous allons démarrer ici le programme à partir de 15h.
Et 15h, nous allons recevoir. J'ai 2 heures de prédication et on va recevoir des gens. On va vous recevoir par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut que j'introduise la chose. On va vous recevoir par la grâce de Dieu. 15h, 16h, 17h, on va arrêter la prédication. On va commencer à vous recevoir. Également samedi. Samedi, la journée est pleine. Matin, je vais commencer à 10h jusqu'au soir. Je serai là jusqu'au soir. Donc, je vais recevoir tout le monde pour boucler avec tout. Voilà. Donc, je suis très prêt pour boucler tout le week-end avec vous par la grâce de Dieu. Amen. Et que chacun dans un esprit de prière. Voilà. Cette semaine-là, je vais recevoir tout le monde. Je ferai un effort pour recevoir tout le monde. Demain, à partir de 15h, je démarre le programme, bien sûr, avec l'enseignement. On va prier. Et après ça, il y aura des séries de réception. Samedi, à partir de 10h, on va commencer les réceptions. On va recevoir tout le monde par la grâce de Dieu. Amen. Et dimanche, nous aurons un beau culte. Il faut comprendre que tant que les barrières seront collées dans ta vie, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas. Amen. Amen. Tu ne pourras pas prospérer. Il faut que les choses changent. Tes ennemis ont besoin de voir aussi la main de Dieu sur ta vie. Je vous disais, il attendait Jacob. Chez lui, Jacob est pour rien, il est même chose. Mais sa grande surprise, Idoko, que c'est Israël. Ce n'est plus la même personne qu'il attendait, Israël. Les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu. J'ai toujours dit, il faut que les gens découvrent les témoignages de Dieu. Il faut que vos témoignages, n'est-ce pas, choquent vos ennemis. Amen. Ah oui, il faut que ça les choque. Parce qu'un ennemi s'est dit, tu vas mourir de cette maladie. Le diable t'a pas envoyé la maladie pour jouer, c'est pour que tu meurs de cette maladie. Il t'envoie le cancer pour que tu meurs du cancer. Il t'envoie le sida pour que tu meurs du sida. Chez lui, il te dit, tu ne vas jamais enfanter. Chez lui, il te dit, tu vas jamais procréer, tu ne vas jamais voyager. Il faut que ton témoignage choque. À sa grande surprise, tu vois ton ambiance. Tenez le voyage. À sa grande surprise, tu pars. On dit à monsieur, madame, le cancer, les esprits, c'est fini. Amen. On a déjà vu ça ici, où les gens disent, ah non, c'est fini, on ne voit plus de cancer. Amen. On a vu plusieurs fois ici où le cancer a disparu dans le corps des gens. C'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Dieu de nos prières est le Dieu des miracles. Si vous êtes sincère pendant cette retraite, je suis convaincu. Parce que depuis avant-hier nuit, le Seigneur m'a parlé de cette retraite. C'est ça que je suis rentré. Je ne suis pas là à la maison directement, je suis venu ici. Il y aura trop de miracles. Amen. Amen. Il y aura trop de miracles. Amen. Il y aura trop de miracles. Vous aurez vos voyages, les choses vont changer, ils vont vous appeler, vos maris. Amen. Que les sorciers, vos filles, ils vont revenir. Amen. Vos filles, ils vont revenir. Vous venez vous marier. Amen. Amen. Vous aimez vos enfants parce que c'est une bénédiction de Dieu. Le diable ne peut pas s'opposer à cette grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Il faut parler. Après cette retraite, ce soir, quand tu rentres pour dormir, tu dois dire au diable, tu ne peux pas t'opposer à la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que pour moi, Dieu a dit, j'aurai un enfant, j'aurai des enfants, j'aurai des enfants. Ce n'est pas toi, sorcier, qui va m'empêcher d'avoir des enfants. C'est ce que Dieu a déclaré, qui doit s'accomplir dans ma vie, qui s'accomplira dans ma vie. Vos situations seront décantées. Et la gloire de Dieu, il faut que vos témoignages choquent vos ennemis. Amen. Moi, c'est ma prière maintenant. Je dis, Seigneur, je veux que mon témoignage les choque. Amen. Quand ton témoignage choque ton ennemi, il a AVC demain. AVC. Ah oui? Parce que eux, ils se disent, tu n'as jamais réussi, c'est fini. C'est fini. Lui là, c'est fini. Là où on l'a mis, c'est fini. Il y a d'autres, mais ils prennent le passe. Ils prennent, les gens, ils mettent comme cannibale quelque part, vous connaissez. Il est fou là-bas. Donc c'est fini. Si on t'a mis là-bas, quelle bénédiction, quelle chance tu vas avoir. Il y a des coutures là-bas. Ça ne va pas. Donc j'ai dit, là où il est mis, c'est qui est fait sur lui là. Non, 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 il ne peut pas s'en sortir. Mais j'ai oublié quelque chose. Que c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Le diable, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je lie. Tu es menteur. Toi, tu es qui? Toi, tu es esprit mal. Mais la Bible dit invoque-moi, je te répondrai. Le problème, c'est que tu attendais seulement cette occasion que tu l'invoques pour que tu fasses sortir là où le sorcier t'a mis. Jésus a dit où l'avez-vous mis? Il allait faire sortir Lazare du tombeau. Bien qu'il soit mort, enseveli,
mais Lazare sortit du tombeau. Là où ils t'ont mis, ils t'ont enterré. Dieu te fera sortir de là-bas. Ta bénédiction, tu vas ressusciter ton mariage, il ressuscitera ton travail, il ressuscitera ton enfantement, il ressuscitera ta destinée. Tu seras béni et tu posséderas le cœur parce que tu es vivant. Tu adores un Dieu vivant qui te bénira maintenant. Vous êtes de vous. Amen. Béni durant toute cette retraite. Nous te prions de nous bénir durant toute cette retraite. Merci éternel notre Dieu et de bénir tous ces bien-aimés. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je vous donne la parole du Seigneur, vous serez bénis. Amen. Je vous donne la parole du Seigneur, vous serez bénis. Amen. Parce que le miracle de Dieu sera déclenché dans le ciel sur vous. Amen. Vous aurez des enfants. Amen. On a prié pour des gens ici qui n'avaient pas d'enfants, qui n'enfantaient pas. Quand Dieu les a visités, ils ont fait des jumeaux. Amen. Alléluia. Quand vous allez quitter cette retraite, vous serez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et on a demain. Amen. Soyez bénis. Amen.